Bonsoir tout le monde. Nous sommes prêts pour un jeu d'horreur, une nouvelle version de jeu d'horreur. Parce que. Oublie ce que j'ai dit. Nous sommes dans l'Air of Fear 2. Nous avons déjà joué à l'Air of Fear 1, qui était un superbe jeu. Et là, ici, nous allons maintenant entamer le deuxième avec Feuille. Salut Feuille. Bonjour. Il est bien évidemment prêt. Prêt pour la descente aux enfers, n'est-ce pas? Alors c'est parti, on clique sur nouvelle partie, mode normal. Mode sans échec, MDR, on meurt pas. C'est ça. Oui, sur une touche pour continuer. Oh, déjà le jeu est pas dégueu du tout. On se croirait dans le Titanic ici. Ouais, sauf que les vagues sont un peu mal faites. Et bien évidemment sur un bateau, visiblement. Appuyez sur une touche pour continuer. Oula! Bon, écoute, donc ici, avant d'entamer vraiment le live avec Fun, on a l'habitude de se faire des espèces de checkpoints parce que c'est un jeu solo. Et vu qu'on essaye de faire l'histoire ensemble, eh bien, l'idée c'est de s'arrêter à certains endroits afin d'avancer en même temps. Tout à fait. Bon, Feuille, écoute, j'avance dans le couloir, moi je tourne à droite. À droite Allez, j'avance. et puis à gauche parce qu'apparemment ça ne me laisse pas le choix. Enfin, c'est glauque. Ok, je tourne à... Ah, attends. Il y a un À tableau là. droite, déplacer, appuyer pour appuyer sur. Et Il déplacer faut où? ouais, il faut déplacer des La trucs porte. Ah, si, la porte à gauche. Ah ouais, c'est une sorte de C'est tuto. comme Phasmophobia, c'est la même chose pour ouvrir, tu vois. Ok, ouais. Oula. J'ai pénétré dans la deuxième porte. Pareil. Voilà. Quelqu'un appuie sur une touche. Ah, failli. Tu dis plus rien. Ça va. Est-ce qu'il en est vrai? Eh, sans déconner, on se croise en Titanic, hein. Vite fait, ouais. Bon, on est sur un bateau, ça c'est évident. Il y a une machine diapositive, Feuille. Ouais. Ah, regarde, il y a un tableau. Construction des Ouais. personnages, relier les souvenirs, les rêves et les peurs. Se préparer pour le rôle principal. On peut retourner le papier. Ouais. Personnage. Moi j'ai persona. Mais j'ai personne A aussi. Il y a une lettre à gauche sur le bureau. Et c'est en Je anglais. prends. Ah On voilà, peut sûrement la traduire tu en laisses nom. appuyer sur espace, enfin moi c'est la touche espace par défaut, pour lire en fait, etc. Ouais. Construis ton personnage, moi ça vaut la peine. Bien, bien écoute, merci. J'espère que ton installation s'est bien passée. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Rejoins ce lieu spécial qui n'est qu'à toi. Trouve ta motivation, construis ton personnage. Crois-moi, ouais, oh ouais, c'est pas mal. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ok, feuille. Bon, il y a un escalier qui monte là sur le côté. Attends, mais moi je suis occupé avec le diapo. Ah, le diapo, bah écoute, On peut rien y faire, ouais, je vais visiblement. juste faire bouger les trucs, mais. Donc là, on est d'accord, quand on est sorti du lit, on se dirige vers la droite. Il y a une porte. Oui, il y a une porte, mais moi, Recording. il y a une. Voilà, il y a une échelle là. Oui. Moi, je monte à l'échelle. Allez. Ouh, La classe. des grands grimoires là. À mon Ouais. avis, ici c'est le hub comme l'autre c'était le tableau. Ouais, c'est pas bête. Ah, il y a une longue vue, oh, excellent. Ah ouais, je la regarde.
Bon, Oh bah la écoute, classe! magnifique. Pas même zoomer. Oh. Écoute, je vais voir ce qu'il y a à l'étage, s'il y a une porte ou Il y a également quoi. une... Il y a une lettre en bas de la porte. La salle a été aménagée comme vous l'avez demandé. La bobine a été livrée peu avant le départ. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Le maître. On ouvre? Respectueusement votre. Ouais, on y va. Oh putain, Ok. stylé, mec. Il y a un truc à voir sur le C'est une salle de tableau. cinoche, gars. Ah oui, il y a une lettre. C'est quoi la lettre? Mec, il Construction de faut... personnage, préparation, réflexion, où suis-je? Qui suis-je? Bon. J'ai cliqué sur un truc là et je suis en mode cinéma Un mot de cinéma? là. Ouais. Ok. Tac. T'as mis la bobine ou j'en sais rien. Oui, j'ai pris la bo... j'ai ouvert la boîte, j'ai pris la bobine, je l'ai mis C'est dans le bon, j'ai mis en truc. route. Plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly. Wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character Whoa. He was meant portray or lose himself completely, submerged, tightly surrounded by lives he's never lived. And yet he stands on a stage. Where every Okay. man must play a part. And Attends, la vidéo est pas encore finie pour moi. his a sad one. Un mooring. Ouais. Là, on y voit. Un mannequin. Donc je suppose que c'est comme le tableau, ça va se transformer, hein. Je Ouais. suppose. Bon, je ressors de là. Ah, ouais. Bon bah écoute, je suis ailleurs. Voilà. Commence bien. Y a une lettre. Effectivement. Chers passagers, à la demande du réalisateur, cette partie du bateau a été fermée à tous les passagers de l'équipage. Nous vous souhaitons une excellente journée. Super. C'est qui ce Icarus transatlantique là? Mais c'est le bateau Bah, en c'est fait. le nom du bateau, je crois, ouais. Alors, attends. Il y a une grille fermée à clé. Si tu fais demi-tour, il y a une porte à gauche. J'essaie de l'ouvrir. Et elle est fermée. Ce jeu est... Il y a une clé visiblement à chaud. Putain, c'est bon, on dirait Titanic là, Oh, ouais. c'est magnifique, mec, bien sûr. Je poursuis mon chemin dans le couloir et Il y a un j'arrive à miroir. un miroir. Wow! Quoi? Où ça le miroir? Attends, encore une Quand fois, tu vas, avancer. il y a une grande plante. Non, je n'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis à la grande Il y a plante. un petit miroir à gauche sur une table. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous voir, lui? Ah oui. Super, ok. Bon, cet endroit est magnifique, il y a un piano. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. On peut zoomer avec le clic droit. Ah oui, effectivement. Waouh, on entend le bruit des vagues sans deck. Bon, franchement, c'est moi j'aime beaucoup. Ah Alors, ouais. il y a une porte. Ah, qui se. Oh putain, mec, tu vas kiffer. Eh, c'est Titanic le truc, hein. Sans déconner, ça ressemble beaucoup, hein. Il y a une porte à gauche? Ouais. Je suis certain que c'est un petit hommage au Titanic, hein. Ça y ressemble beaucoup. Ah, la porte s'est fermée.
Sauvegarde. Mec, c'est magnifique, sans déconner. Regarde-moi ça, quoi. Magnifique. Il y a deux portes blanches à droite et à gauche. Il y a une radio, attends. Je l'ai éteint. Pas d'importance. Oh, on peut aller dehors, mec. Listen, once you get there, j'arrive. Just do what you have to do. J'arrive. Get to the set. Bah, t'es par la porte de gauche ou droite? Gauche, parce que that's droite, c'est fermé. Ok. Ouh. On va dehors? J'y suis, ça y est. Waouh, ça c'est... Waouh. Magnifique. Waouh. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a trois cheminées, ce machin. Bon, je suis la porte. Il y a apparemment une sécurité, un levier d'abord. Hop, et... Ah oui. Encore un autre levier, hop, en bas. Tac, tac, je fais, hop, j'ouvre la porte. Je re-rentre dedans. Il y a une autre porte en face, je l'ouvre. Charmant, putain, c'est magnifique. Sans... Oula. Bon, moi, ce qui est pratique, c'est qu'il faut pas appuyer sur les portes. Bon, il y a l'ascenseur. Ouais. Attends, il y a... Bah, il y a un bouton d'ascenseur, quoi. Non, sur la table à gauche, près d'un fauteuil, il y a... Il y a un texte. Yeah, yeah. I know on voit l'Icarus dans une affiche. How much you hate the sea, and I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Pas mal. Ascenseur, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut pas ce con. Ah si, voilà. Il faut ouvrir les grilles. Ah ouais. Je suis dans l'ascenseur, je referme la grille, ok ? Dedans. Ok, je tire la manivelle comme tu veux, toi aussi. Pareil, je le fais. C'est parti. 3, 2, 1. On descend. Ouais, effectivement. Oula. Ah. Ouais. On peut remonter là ou quoi ? Rien faire, la manivelle. Oula. Oula. Pour appuyer sur la manivelle. Ouais, j'ai fait. Et je sors. Là, c'est la troisième classe la plus. C'est moisi là, ici, c'est moisi. Ouais. Écoute, il y a des bruits, donc à gauche il y a un sifflet. All third class passengers this way, ouais, please. Troisième classe, ouais. Did you check the lower decks this time? Putain quoi, franchement, troisième classe, on va faire un effort, mec. Ouais. Je progresse par la gauche. Toi, tu vas par où? Par la droite? Par la gauche. Allez, c'est parti. Il y a une porte à ouvrir, il y a un long couloir derrière la porte. Ah oui, c'est pas trop dégueu. Non, il faut suivre les plus gros tuyaux. Moi, je suis Amand. Ouais. Oh putain. Quoi? Attends. Ouais, carrément. Il y a une porte à droite, là, un peu en mi-chemin. Oui, et, oui, effectivement. Ça mène à une sorte de cagibi, on y va ou pas? Oui, ok, j'y suis. C'est une chambre, en fait. Hein. Ah oui. Oula. Oh putain. Ouah, mec. Y'a même pas un hublot. Ah si, il me vient là derrière ce truc, mais... Y'a une lettre sous le bureau. Donc, l'histoire, ça part sur un film, apparemment. Bon, y'a une garde-robe, j'ouvre. Pareil. Il y a un tiroir là où tu as trouvé la lettre. Dedans, il n'y a rien du tout. Ah, bon. Ok. Ok, je ressors de la chambre. On sort, on part à droite. Exact. Puis après à gauche, hein. Pas chaud de toute façon. Putain, c'est la classe, c'est tout rikiki là. C'est magnifique. J'ouvre cette petite porte. Pareil. Voilà. Ou ça, c'est pour ceux qui travaillent ici là, j'imagine. Il y a des hamacs. Ouais. On dirait qu'il y a une trace de... sous la table, là. Bon, bref. Une trace... Ah oui. bon. Oh putain, il y a des hublots. Il y a une porte avec un hublot, là. Elle est fermée. Quoi, une fuite? Il y a une fuite, il y a une pince. Sur un bureau, il y a un ventilateur. Ah. Il y a une grosse pince et un tiroir avec une clé. J'ai une clé. Yes, on l'a prise. C'est la clé de quoi, ça? Tu crois? Aucune idée. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, récupérer... c'est peut-être la clé de la fameuse porte où il y a que le hublot, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends. Moi, elle est ouverte, donc je t'attends.
C'est quand même vachement bien foutu. Hein. La fameuse porte avec le hublot. Ah oui, ça y est. J'ouvre. Ok, moi c'est ouvert. Ouais. Je me dis quand t'es rentré. Ouais, je me baisse pour, c'est parti. Pour pouvoir passer. C'est la classe. Oui. Mec, c'est excellent. J'ouvre l'autre porte. Là, il y a des chaises. Il y a des chaises, mais il y a une porte à gauche, là. Je vais essayer de l'ouvrir. Elle est fermée. Il y a une canne. Never met the guy in person, but few people have. Une canne. Canne, elle est moche, cette canne. That's why you hear all these rumors. Quelque chose qui a fait du bruit. Oui, c'est la canne. Et une fourchette qui est tombée. Ah bon. Où tu vois une canne, toi? Ah oui, ça y est. Qu'est-ce qui fait du bruit, une fourchette? La classe. Ok, la bon. Canne. Tu... Alors, t'as pris la canne et tout, ouais? Ouais. Ok, parfait. Après, quand tu pars sous la gauche, il y a un escalier qui descend. Oh putain. Oh! Regarde le bois comme il est magnifique, le parc. T'as regardé par le grillage où il y avait une porte entrouverte? Non. T'es où là en fait? Je descends bon, les escaliers. Il y a une clé, il y a une boîte à outils. Il y a un marteau. Marteau, bon, je l'aurais pris, mais bon. C'est pas... Ouais, carrément. Chacun ses priorités. La salle radio. Ah, trop bien, trop bien. Alors, attends. Il y a un casque de radio, là. Le parasite. Wow! Mec, je me chie dessus, là. La porte s'est ouverte. Eh, tu peux faire du morse, mec. Alors, t'as essayé? Ouais. Ah, c'est la merde. Bon, allez, j'ouvre la porte. Ah, ça a changé de nouveau. Oh putain, c'est quoi cette petite salle de merde? J'ouvre la porte en face. J'ai ouverte. Ouais. Je suis passé, on est dans un couloir. C'est ça le truc d'ailleurs, Ophir, il te ferme dans les endroits. Oh, une porte s'est ouverte toute seule. Oui, je vois ça. On va passer. Il y a une autre porte à droite avant de. J'ouvre d'abord celle à droite, moi. Je rentre d'abord dans celle-là. Ouais. Alors. Il y a un mobilier. Ah, il y a un truc dans le meuble. Ouh. Un truc dans le meuble. Ouais, il y a un meuble dans cette chambre. Tu sais, un petit meuble avec une porte. Oui. Je pénètre dans la salle de bain. Ah, oui. Je tire ma chasse. Lol. Excellent, excellent. Tu peux faire couler l'eau dans le... Ouais. Ah, il y a une photo sous le côté de l'évier. À droite ouais, à gauche, gauche oui. Là, ouais. Ah, ça, c'est une photo de quand, quand ils construisaient le bateau. Trop bien. Putain, c'est une chouette chambre, ici. Je crois qu'on y va que dalle, quoi. Il y a une table de nuit. Il y a toujours ces lampes vertes, là. Et il faut récupérer un objet, par contre. Où ça? Dans la table de nuit. Ah oui. Allez, merde. Il y a le chiffre 11 qui est marqué dessus. Ah bon? J'ai pas bien vu, mais... Pas grave. Je l'ai récupéré. Oh putain! Quoi? Le couloir a disparu. Ah putain, merde. Passez par la porte. Passe par la porte. Voilà, j'ai réouvert. Bon. Voilà, j'avance jusqu'à la fameuse... Ouais, moi aussi. Allez. Wow! Elle vient de se refermer, on peut pas l'ouvrir. Culé. J'avance voilà. Parce que l'autre à droite non plus. Ouais. Je passe le grillage. Tu passes le grillage. Quel grillage? À gauche. Ah, la tu gris... as passé, oui. Il y a la porte droite devant. Ouais. Je l'ouvre et je rentre. J'ai une salle à manger, évidemment. Pas ouvrir. Explore un peu là, tu vas trop vite. Ouais, non, mais je suis. Il y a plein de portes en fait. Ouais, je suis en train de regarder la vaisselle qui est magnifique. Alors, il y a justement une porte avec un hublot et une vitre à côté, et puis plus loin,
Quand tu contournes, tu as une autre porte en bois classique. On prend la porte en bois classique. Ouais, allez. Allez. Parti. Voilà. Bon ben je suis de nouveau dans un espèce de salon. Un salon un peu glauque. Donc... Il y a un truc qui se passe là. Ouais, il y a des photos. Il y a une drôle de... Oh putain, des verres qui bougent. Il y a des photos. Ah ouais. He's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Ouais, supposed to be rien, some new method of ouais. building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, gros, if you ask je pense. Just oh, putain. Go with it. Quoi? Guy doesn't take no for an answer. Quoi? Je suis repassé, j'ai continué, j'ai pris une porte sans te le dire. On ben est ouais, absorbé. Mais il faut, mec... Bah, je te le dis. Et là, il y a un vase qui s'est cassé la gueule. Ouais, pareil, pareil. Ok, il y a des hublots, il y a... Il y a de la fumée un petit peu, il y a des livres partout sur une commode. Eh, rappelle-toi, on avait déjà la même chose, on avait une pièce, on passait de pièce en pièce, c'était la même, mais elle devenait de plus en plus bordélique. Ouais, ouais. Bon, allez, je repasse la porte. La même. J'ouvre. Et voilà, c'est de nouveau la même misère. Oula. Oula. Il y a un truc sur la mode. Un masque. Ouais, un masque. Wow! Arrive. Progresser, feuille. On progresse. J'ouvre l'autre porte, ok. La porte, ouais. Là, il y a une sorte de cagibi, là. Ouais, c'est un vrai bordel ici. Des tapis, des. Il y a un petit meuble à droite, là. Ouais. Et une lettre dedans. Avec une lettre dedans. Mais surtout, l'équipe de tournage et les acteurs ne doivent pas être dérangés. Un film Hollywood va être tourné à bord du navire, patati patata, ok bon écoute. Mec, il y a une porte et il fait noir dedans. Ouais, bon on l'a franchi. Allez, c'est parti. Oh. Je fais tourner le monde. Ok. Le monde est une scène, les acteurs sont médiocres. C'est ça le monde. Il y a une porte qui s'est éclairée là un petit peu. Ouais, je vois ça. J'y vais. Je l'ouvre. Ah merde, c'est fermé. Une demi-tour vers la planète là. Ouais. Il y a l'autre porte qui s'est rouvert, qui s'est rééclairée. Bah, j'y vais. Salaud. Elle s'est fermée. Chier là. Before the world told you who you should be, do you remember? Wow! Putain, c'est quoi ici? Wow! Une porte, c'est. Y'a rien qui. Ah si, voilà. Je on rentre. On retourne au cagibi dégueu là. Ouais. Attends, y'a une lettre sous le bureau. Beaucoup ont essayé de participer à mon chef-d'œuvre comme s'ils avaient le choix. Seule une personne pourrait donner leur donner vie à ce personnage. Seule une personne qui serait suffisamment brisée pour réincarner. Okay. Je rentre dans le couloir, ok. Couloir, ok, avec une plante. Ok, sauvegarde. Alors à droite, il y a. Oh putain. Shitsu. À droite, c'est chelou. Ouais, c'est trop chelou, mec. Moi, je regarde pas par là. Moi, j'ai regardé, il y a une voix de femme qui m'a. Oui, oui, oui. I believe in you. Et une lettre avec un soleil. Ah ouais, où ça? Sur un banc en vert. Ah, c'est un dessin d'enfant. Un dessin flippant. Ouais, très flippant. Bon, allez, j'avance. C'est creepy. Il y a un seau d'eau avec une serpille. Ok, il y a une chaise. Avec un canari. Non, mais... Wake up, attends, attends. Truc du borgne. We've got to get out of this godforsaken prison. Hein? Before we rot. Où est-ce qu'on va, du coup, là? Oh!
Allô ? Quoi ? T'es dans une salle avec une cage ou pas ? Oui, j'ai regardé ce qu'il y a dans la cage. Regarde d'abord et puis tu relâches le truc. Il y a un numéro. Wow. 239. Faut que je le note, je suis sûr que ça... ça voit quelque chose. Wow. Donc il y a un truc qui s'est effondré là. Ouais, et là il y a un numéro dans le plafond. Là où ça s'est cassé, t'as un numéro quelque part, faut regarder. 593 du coup, 593. Je vais taper un code à la grille. Quelle grille ? À la grille qui se trouve à. Bien vu. Ouais, écoute-moi, c'est 239. 5. Bon, ben voilà, ça s'est ouvert. Pareil, voilà. On pénètre, il y a un tapis à droite, c'est bien ça. Ouais. Par terre, ouais, enroulé. Ouais, ok, ouais, c'est ouais, parti. Ouais. J'ouvre la porte. Pareil, oula. Encore un couloir un peu plus dégueu. C'est le bordel, hein. Bon, il y a une porte à droite, juste directement, là. Il est fermé à clé, bon. Ok. Il y a un sac. Ouais, et regarde à ta gauche. That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, quartermaster, or I'll have you walk the plank. Il y a une manette, mais j'appuie pas dessus maintenant. Ouais, si si, on vient, on appuie dessus maintenant. Ah putain, t'es chiant. Bon, ok, c'est parti. 3, 2, 1, go. Oh putain. Je regarde la scène. Il faut se mettre à l'endroit où il y a les pointillés, je pense. Bah, c'est possible, je vais essayer. Dès qu'il arrive, je le mets. Pareil, pareil. Voilà. Bon, le mannequin va me choper, je le sens. Ah non, pas. Attends. Mettre une chaise, un truc du genre. Peut-être. On va regarder. Ou alors on clique sur ce con. Pour qui? Sur un des personnages. Non, on peut pas cliquer. Bah écoute, je fouille. Écoute, gars, il y a une porte qui est ouverte et une issue là. Ah oui, il y a une issue, super. Ah oui. Je passe par là, voilà. Il y a une grosse manette. Ok. On la tire. Ah non, regarde, j'ai compris. Fais tourner la manette et il faut mettre l'emplacement blanc. Il y a un meuble, enfin un fauteuil qui doit descendre, regarde. T'as compris ce que je veux dire ? Non. Mais si. Ah oui, il faut descendre au bon moment. Exactement. Allez! Allez quoi, putain! Mais je suis sûr qu'il faut d'abord l'arrêter. Mais oui, il faut l'arrêter. Ah bah. Faut juste mettre le machin à bon emplacement. Allez quoi, mais putain, mais il faut qu'on. Ah, moi c'est bon! Pas moi encore, attends. J'attends. Qu'est-ce qui gêne, merde? Ah oui, attends, encore un poil. C'est rien du tout. Ouais, il faut le poil de cul, hein. Merde. Putain. Attends. Tu vas y arriver, feuille.
Je t'attends. Je vérifie juste un ou deux trucs sur le live et puis c'est. Voilà. Je vais bientôt y arriver. Pendant ce petit instant où nous avons notre ami Feuille qui est occupé de chercher à placer un siège, j'invite à tous les viewers de s'abonner à notre chaîne. La moindre des choses, attendez. Attendez, on vous offre un magnifique jeu comme ça, avec deux personnes comme nous. Attendez, non je rigole, je me jette des fleurs, mais sans déconner, n'hésitez pas à vous abonner, parce que bon ben, écoutez, voilà, je crois que la chanson elle est faite. Ça fait toujours plaisir, hein, et puis... même si on n'a pas une grande notoriété actuellement, l'air de rien, ça nous ferait pas de mal d'avoir un peu plus de public. Ça nous ferait plaisir, en tout cas. Et on essaierait du coup de varier les activités sur cette chaîne. Même si on le fait un peu, on fait beaucoup de live actuellement. c'est vraiment une chaîne pour les lives en général. Il est rare qu'on sorte des vidéos qu'on ait réalisées avec des montages, etc. Donc... il risque d'y en avoir encore, hein, bien sûr, mais... Voilà. Putain, Drake. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'énerve, j'y arrive pas. Mais c'est pas compliqué, hein. Bah, juste je juste arriver, tu peux y arriver, hein. Wow, courage. Wow. Courage. Merde, hein. Bon, attends, il faut... Après, il faut pas... Ouais. Oui, dis-moi. Faut pas se dire voilà une question de perspective, c'est un peu chiant, tu vois, tu vraiment te... Ah, je suis désolé, j'ai fait deux pas, il s'est passé un truc. Oh putain. C'est pas vrai quoi. Mais couille quoi. Attends. Je vais bientôt y arriver, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est comme t'es sérieux au poil de cul. Mais ça me... Comment tu es là, putain, vas-y. Je te vois passer avec tes lèvres là. Attends, le truc il est là. Donc ça doit aller là. Donc logiquement, merde quoi. Mec, si t'y arrives pas, c'est pas à continuer le jeu. Hein. Ben, je sais. Attends. Le truc est là. Donc ça, il faut que ça avance encore un poil. Tu vas doucement, puis tu appuies ce bouton, doucement, puis tu appuies ce bouton. À un moment donné, tu vas y arriver, quoi. Ouais, je vais faire millimètre par millimètre. Ce que j'ai fait, moi. Ah. C'est anti-fun, là. Je suis désolé. Oui! C'est bon? Ouais. Enfin. Wow! Avancer dans la poupée, la péter, c'est ça? Ouais. Ouais, oui. Quoi? Oui, c'est ça, oui. Ok, allez, on continue. On va où? À gauche, il y a une... On s'est passé par en dessous d'un truc. Il y a un passage par en dessous. Oh, mec, putain, c'est crépi, hein. Par en dessous de... Ah oui, ça y est. Oui. Ah oui, oh! On se croit en tourner les manèges. C'est crépi, hein. Ok. Creepy. Ok, y a une affiche là. Il faut cliquer dessus, mais je sais pas cliquer dessus. Attends, quelle affiche? Ouais, c'est rien, c'est une bêtise. Ok, fuck alors. Allez, on. Y a une porte, allez, on se casse d'ici. Oh putain, ici y a des flèches à suivre. Des flèches? Où ça? T'as passé la porte déjà? Sur le sol, ouais. Je l'ai pas passé, je l'ai juste ouverte. Bon, ok. Ah, effectivement, tu as raison, y a des flèches. Le bateau va pas bien là. Bon, bah par là c'est cramé. Regarde à droite. Regarde à droite. À droite ou à droite? Oui, là où ça monte la flèche là au tout début. Et je vois rien. Bah, sur le sol tu vois pas des flèches. Oui, mais je vois rien dans à droite là. C'est quoi?
Eh ben, tu vois pas un petit cercle qui brille, à mon avis, c'est un bug. Non. Ok, tu vois pas. Ah okay. si, bon. Si, je le vois, c'est une porte. Ah mais oui, mais elle est clipée, oui, putain. Bon, on fait quoi? On suit la flèche? On suit la flèche, mais à gauche, ça mène vers un mannequin qui flambe. Oh, c'est clair, ouais. Je crois que c'est on part à droite, enfin, je veux dire, on suit la flèche, monte à gauche et droite. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dirais à gauche, il y a une croix. Ça veut dire que c'est par là. Ouais, ou alors, faut pas y aller. Allez, on part à gauche. Oh putain, laisse-moi. Ah ben, c'est verrouillé à clé. Ah, oh, 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 oh. Ah, ah. Je pouvais plus bouger. Et voilà plus. On part à quel côté? J'en sais rien. Il y a des flèches partout, regarde ça, c'est le bordel. Ouais, écoute, la croix ça ne marche pas. Par contre, à gauche, à droite, il y a plus. À gauche, ça marche pas, mais à droite, il y a plus. T'es d'accord? À droite, il y a. Ah, mais on a rembobiné! Non! Si? Oui. Oui! Ah oui! Bon, écoute, je vais tout fouiller alors, à droite, c'est et pas là, le mannequin s'est éteint maintenant. Oh, je vais vers le mannequin, il y a du bruit. Ah oui, je vais voir. Wow! Quoi? Ouh! Il y a une fuite d'eau, merde. Ça commence à péter un câble. Bon, écoute, je suis le truc. Les nœuds de croix, là. Bah, on n'a pas le choix, là. Où est la croix? Tu la vois? Ouais. La porte, allez, je l'ouvre. Le oh putain, mec. Oh putain, je rentre. Il y a un paquet de clopes. C'est des craies. Scattered out the whole area. Ah oui. Looks like there's a trail we can follow. J'ai reposé. Aïe! Left by fellow pirates, no doubt. J'ouvre la porte. To lead us to a safe harbor. Ouais, mais oui. Oui, voilà. Et je rentre. Encore une fuite d'eau. Alors à droite, il y a des traces de crayon. Wow. Bien. Ah! Mec, je me suis chié dessus. Il y a une ombre. Oui, mais justement, c'est ça qui m'a fait chier dessus. Les couilles, va. Bon, il y a une autre porte avec une croix. Allez, c'est parti. Je rentre. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une lettre sur le bureau. Ouais, il y a un truc marqué avec un 2. Enfin, il faut ramasser, pardon. Dans l'armoire, il y a une armoire juste là où tu as ramassé la lettre. Ramasser, pardon, je commence à être fatigué. Où tu as ramassé la lettre. Oui, il y a un truc 2, ok. Voilà. Bon, ben, il faut ouvrir la porte, hein. Ouais. Ouais, il y a un petit ponton là. Et attends, il y a un télescope. There she is, Mr. Hardy. Longue vue. Longue vue, ouais. The fastest vessel ever. Elle est jolie celle-là. Ready to set sail for the land of the flame. On passe par là ou quoi? Chut. Ça me donne envie. L'espèce de truc en bois dégueulasse. Ouais. Allez, ouais. Ça me donne envie, moi. Ouais. On se croit sur un sloop. Ok, on continue. Bon. À gauche, on peut rien foutre. À droite. Il y a une porte. Une porte, on y va. J'ouvre et j'y vais. Voilà. Il y a des palmes, il y a des bandes cheloues par terre. Ouais, ouais, je sais pas ce que c'est. Oh là, c'est une pièce de théâtre. Oh putain, ouais. Une encre. J'aime pas ces mannequins à la con. Là. Je vais dessus. Quoi? Le bateau? Je vais dessus le faux bateau et le radeau, quoi. Ouais, je suis dessus. On est sur Sea of Thieves, mesdames et messieurs. Il ouais, y a une cale. Ah, elle est fermée à clé. Je vais dans la truc du capitaine. Pareil. Je fais tourner le bazar, c'est parti. Ouh. Oh, mec. Pas du mal à contrôler. Camion droit devant. Bon, écoute, je descends de la truc du capitaine. J'essaie d'ouvrir la cale. La cale peut s'ouvrir. Ok, parfait, j'y vais. Bien vu, j'y vais. Ah! Oh putain! Il
Je suis la craie, mec. Il y a un coffre au trésor avec un chapeau de pirate. Je prends. Avast, Mr. Hardy. Too many okay. Of them scurvy dogs. Je continue. Il y a l'escalier. Ah, mais il y a really? une coupole là. Ouais. Oh putain, mec, ça pète un câble ici. Le Graal. On peut pas le prendre, la coupole. Non. Il y a un truc par terre, une clé. À la croix. Je l'ai. Monte l'escalier et j'ouvre la porte. Ok? Ouais. Oh mec, il y a tout qui t'en fout ici là, c'est le bordel. Ah, c'est joli hein? En vrai. Il faut aller là. Il y a une cloche. Tu la vois la cloche? Non. Si, il faut suivre les traits, tu as une cloche. Oui, voilà. Waouh. Ah, tout s'éteint. Je vais revenir à la normale, visiblement. Mais, enfin, normal. Ouais. Bon, écoute, je descends du bateau et il y a un petit ponton, là. C'est bien fait, quand même, hein. Ouais. Tu fais pareil ou quoi? Allô? Ouais, il y a un petit ponton, c'est ça. Ouais, avec une lanterne à droite. Ouais. Ok, on y va. J'ai passé. Il y a une porte. J'ouvre la porte. Pareil, on se tire d'ici. Oh, c'est encore pire. Ouais. Oh. J'avance vers la tenture. J'ouvre la tenture. Un ventilo. Hey, on est dans un film en noir et blanc, regarde. Ah ouais. Oh la classe. Vas-y, il y a une lettre sous la table là. Commandé sur mesure un coffre solide fabriqué entièrement en chêne ancien ou en fer forgé. En supplément des lanières de cuir et des poignées sous les côtés. Bon, écoute, ok. C'est sympa. Il y a une radio, je l'éteins, je le coffre. Ouais. Alors, ouais. Personnage, je suis sûr que c'est personnage. Bah évidemment. Regarde, la lumière s'est allumée derrière nous. Ouais. On fait demi-tour et... Prépare-toi à repartir, il faut juste faire tourner le tableau. Bah faire demi-tour, je suppose, la lumière s'est allumée. Nous sommes la star du moment, feuille. Allez, on se tire, on fait demi-tour. Il y a une porte. Allez, j'ouvre la porte. Voilà, on n'est plus en noir et blanc. Ouais, exactement. On a quitté le noir. Il y a un point ancré. Tout à fait. Et puis je suis le délire. Ah, c'est parti, je fais pareil. Ah, on est de nouveau en noir et blanc. Là, il y a un plan, mec. Un plan? Par terre. Oh oui. Ouais, c'est... un plan chelou, surtout. Hein. Bah, écoute, on va voir. J'espère qu'il faut pas le... faire la lettre. Ok. Et c'est fermé à clé. Il y a une manette. Ouais. Oh, wow. Ok. C'est pas agréable du tout. J'ouvre la porte. Elle s'ouvre maintenant. Il est noir, putain. La porte blanche, on est d'accord. Ouais. Bon, je suis passé, il faut se diriger dans le chemin, on arrive à la scène en fait. Ouais. La banque. Les mannequins ont disparu, mais what? J'ouvre la porte, entre-ouverte. Pareil. Alors. J'ouvre la porte en métal. Je l'ai ouverte, je rentre. Ensuite, je regarde sur les côtés s'il n'y a pas quelque chose à prendre, mais là c'est... Il y a une manette. Un peu la merde. Il y a une manette. Maintenez pour courir, ça veut dire quoi ça? Mec, ça pue du cul ça. Ça pue du cul, mec. Ça. Wow! Quoi? Mec. C'est le plan. Il faut faire un truc, mais je sais pas, il m'a dit maintenir pour courir, donc ça veut dire qu'il va falloir courir dans le jeu. Mais on est d'accord qu'il y a. Je sais pas, il y a une manette. Oui, mais j'ai activé la manette, ça s'est ouvert quelque chose. Ah, bon, bah, dis-le. Ah, pardon, mais je l'ai dit, il me semble. J'y vois rien, en plus. Wow! J'ai avancé. T'as avancé? Ouais. Ok, j'avance aussi. Putain, j'y vois rien. J'ai encore...
J'ai éteint la loupiote. Quelle loupiote? Encore? En fait, je peux la rallumer, l'éteindre, la rallumer, l'éteindre. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ben, tu repasses par l'endroit où ça fait BAM! Ça y a un truc. Tu repasses par le même endroit, normalement. T'as une porte, tu l'as passée ou pas? Non. Je fais demi-tour en gros, j'ai jusqu'au plan. Mais non! D'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Donc, t'as bien ouvert avec la manette, t'as eu la. Ah ouais, il y a une loupiote, mais je savais pas ça. Il y a une loupiote qui se balance. Ah oui. Ah oui, mais il faut pas se la prendre. Ah, tout simplement. Allez, vas-y, moi je fais le chemin. Ok. Je me suis pas pris la loupiote. Il y en a une deuxième. Tu la vois? Ouais. Quand tu l'as passé, après t'as un couloir avec une porte. Une porte blanche griffée. J'ouvre la porte. Dis quand t'es dans la pièce. Ouais. J'y suis. Ventilateur. J'y suis. Ventilateur. Oui. Attends, il y a un bien. Cinéma. 10, 80 et 40. Ça dit quelque chose, ça. 10, j'ai pris une affiche de cinéma. 80. Attends, une seconde. Des notes. Une affiche au cinéma, mais moi, il y a surtout. I know you did it. Ah ouais. Pourquoi? You killed her. Sur le bureau, il y a une étiquette. It was her killing me. 1080. Sans seulement vouloir dire. This time. Quelque chose. Demande si on ne devrait pas noter. Toi aussi, c'est 1080. Oui, j'ai noté moi. Avec les flèches et tout. Bon. Attends. Ah putain. Combien de temps on est occupé là? Donc il faut toujours pas se prendre la loupiote, j'ai l'impression. Ça fait... À combien de temps, le visage? 47 minutes. Écoute... Je me dirige vers un drapé, un truc drapé en... J'ouvre la porte. Ah merde, attends, quoi? Bah en fait, la porte que j'ouvre, juste à droite de la porte, il y a une sorte d'éclairage. Mais la lumière, on est d'accord? Oui. Allez, oui, passe la prendre la lumière. Hop là. Hop là. C'est bon, j'ai brûlé la lumière. Ah! Merde, non! Oh, je me la suis prise, putain. Oh. C'est bon, moi je l'ai brain. Ah! Mais je me la suis prise aussi. Oh non, faut tout recommencer, mec. Ouais, pas grave, pas grave. On fonce, on fonce. Le plan, mes couilles, tac. Alors, première lumière passée, deuxième lumière passée, troisième lumière... Attends, parce que moi je me suis encore paumé. Ouais. Troisième lumière passée, attends, parce que moi j'ai une jeu. Bon, en fait, là, il n'y a pas les lumières, je peux passer en mode port. Mais normalement tu dois, hein, je crois, pour continuer. Ouais. Tu dois faire baisser le machin, tu fais baisser la manette, là. Ouais, bah écoute, je vais le faire. Allez, je baisse la manette. Alors, allez, c'est parti. Premier truc, niqué. Deuxième, niqué. Je t'attends quand t'as fait un troisième après le bureau, là. Ouais. Allez, hop, attends. Je brain une fois. Je brain deux fois, et c'est bon. À la troisième fois, t'as un renfoncement, fais gaffe. Oui, oui, et là, il y a un trou. On peut aller dans un trou. Oui, oui, je l'ai fait, moi. Ah. Attends, quand t'es dans le trou, tu pars direct à droite ou tu continues tout droit? Tu continues le chemin, à droite. Non, parce quand la lumière, que... quand la lumière est passée, tu... Non, non, moi je te parle d'un trou, un vrai trou, c'est où il faut ramper. Mais mec, où t'es plus loin que moi, en fait. Bah oui, moi je... Oui. Putain, mais dis-le, merde. Eh ben, je passe le truc, c'est tout. Quoi, dis-le, merde, je te le dis. Mais je te dis qu'il y a un trou. Je te dis, je t'attends après la lumière. Eh ben, tu me dis, je pensais que tu m'attendais là, c'est logique. Ah. Salut Kevin, on est en live. Allô. Ouais. Dis bonjour, dis bonjour à la France. Bon, ok. Bon. Bon, ben, nous on est en live, donc voilà. Bon, écoute, j'avais envie de dire un petit bonjour lentement. Ah, écoute, bonjour lentement. Merde, ça a déréglé, putain, ça a déréglé tout le bordel dans le live, du coup, attends.
Ah, Liofir, que vous faites. Attends, meilleur fil. Attends une seconde parce que là il y a un petit problème. Vous allez être très loin ou On avance tous. Plus ou moins. Plus ou moins, ça veut dire ça veut dire quoi? Bah plus. Je sais pas combien, ça fait quoi 50 minutes qu'on joue. Voilà. 50 minutes, oh putain. Bon, tu es rentré dans le trou, puis ensuite t'es par où? Alors, je rentre dans le trou. Il y a un chemin à droite, il y a de la lumière, je peux faire à droite, perso. T'es rentré dans un trou. Ouais. Et après? On part à droite. À droite, ouais. À droite, ok. Après, il part dans un trou et il ressort d'un autre trou. Ouais, on essaie de faire un live qui fait un petit peu peur, donc oui. De prendre au moins une voix ténébreuse, quoi, je sais pas. Mais... Il rentre dans un trou et il ressort dans l'autre. Ok. Alors Drake, il y a une porte avec un hublot et il y a un passage en bois tout pourrave, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un trou. Ouais, sans dire qu'on essaie de... Tu prends la porte avec le hublot. Non, mais... Allez, porte hublot, c'est parti. Il y a une espèce de coffre. Ouh, ça c'est du coffre. Je vais tourner. Oh putain! Quoi? Bah c'est la combi. Tu l'as noté tout à l'heure ou pas? Bah moi j'ai juste fait tourner, j'ai rien eu. La porte s'ouvre, voilà. Ah t'as juste tourné, oh putain c'est de l'arnaque. Ok. C'est la merde pour ouvrir ce truc. Bon, ok, je vais vous faire la grande porte. Maintenant, il y a un petit coffre. Eh, bien, il y a le ticket, voilà. Regarde si tu l'avais pas noté. Bon. Oh, putain, ça sert à rien. Ok, par là, il faut aller se mettre à 10. L'autre côté à 80. Ah merde, j'ai fait de la merde. De l'autre côté, pas 40. Et enfin. Ça a marché. Mais putain, ça marche pas chez moi. C'est bon. J'ouvre le coffre. Il y a un drôle de truc à l'intérieur, je clique dessus. In the land we've seen behind shut eyes. Si jamais on est en live sur level 1, Kevin, comme ça tu peux jeter un œil. Ouais, t'inquiète pas, je le vois. Oh mec, je suis dans quoi là maintenant? There we shall stand tall. Il faut ramper, mec. Il faut ramper? Ouais. On se retrouve dans une pièce de théâtre. Waouh, c'est joli par contre. Then yours is this world. C'est bien foutu quand même. Ouais. Allez, j'avance. Je contourne un obélisque de fou là. Pareil. Oui. La lumière change en mode plus chaud. Il y a une porte, je l'ouvre. Pareil, je passe. On connaît déjà le délire. Voilà, ok, c'est la misère. Qu'est-ce que c'est du tourner en rond là? Alors, il y a une grille qu'on ne peut pas. Il dit qu'il faut tourner en rond, tu sais quoi? Je vais le faire, pour le fun. Ouais. Je fais rien du tout. Il y a un petit meuble, il y a une lettre dedans. Il y a un truc qu'il faut récupérer dans le petit meuble. Est-ce que une photo. C'est ce que je viens de dire. C'est pas une lettre, c'est une photo. Une photo, c'est une lettre. Une photo-lettre. Bref. Il y a un meuble là avec. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Attends, O, transcription. Bla bla bla, ok, d'accord, c'est bon. Oh putain. Ah, il y a deux portes, on prend laquelle? Celle avec une poignée. Il y a deux qui ont une poignée. Je sais. Attends. Celle avec le point ou celle avec rien du tout? Le point, le point. Le point, allez. J'ouvre et je passe. Ok, j'y suis. Et là, c'est une salle de cinoche. Bien flippante. Je clique sur le bidule. Ouais. Ah ouais, il faut faire défiler, ça fait une image comme ça. Attends, ça va faire flipper, le chevreuil va nous regarder de travers. À chaque fois, c'est différent. Il y a une porte, mec.
Attends, je crois que c'est différent à chaque fois, je suis pas sûr. Ah non. Il y a une porte quand tu fais défiler. Une porte ? Ouais, une porte. Où ça, la porte ? Bah, fais défiler le chevreuil, là, tu fais tourner. Ah ouais, il y a une putain de porte. Et je te parie qu'il faut s'avancer devant la porte, tu paries ? Ouais, ouais, carrément. Allez, j'y vais, bravo, j'y vais, j'y vais. Ah, voilà, elle apparaît. Oh, c'est la bravo, classe. Bravo, mec, là, t'as bien joué. Oh, putain, flippant. Je passe dedans, et là, par contre, l'ambiance devient dégueu. Oh ! Ça... Il y a un trou, on peut voir des mouches, et c'est tout. Ouais, c'est pas l'ambiance. Il y a un autre trou, on peut voir des tableaux dégueulasses. Ah, c'est pas l'ambiance du tout, là, c'est la merde. Bon, je continue, il pleut. Il y a rien du tout, donc une porte. Il y a du jour. Il y a une petite escalier à gauche, là, t'as vu ? Ouais, il y a une porte. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, je vais voir pas l'escalier pour voir. Mm-hmm. Mais j'ai déjà testé la porte, on peut voir laquelle fonctionne. Ah bah la porte va pas, donc voilà, c'est fixé. Ok, on rampe, c'est parti. Il y a une photo. Ouais. Bah voilà, c'est l'ambiance, hein, ils sont occupés. Il y a un trou. T'en as un beau trou. Ah d'ailleurs, bizarre. Oh ! Quoi ? T'as regardé dans le trou ? Oui. Le siège est tombé. Ah ! Je le vois. Ça s'était pas déclenché la première fois. Je descends. Là, il y a une affiche bien flippante. Ouais, ouais, ouais. Une affiche ? Oui, une affiche quand tu descends. Je l'ai ramassée d'ailleurs. Voilà. This fellow is wise enough to play the fool. Bon, je prends la porte. Prends la porte, ouais. Laquelle ? Par contre, c'est quand qu'on ça sauvegarde la merde ? La seule porte, tu veux dire ? Oui, il y a une porte. Ça mène à un bureau avec un drap vert dessus, c'est ça ? Oui. Okay. Et une lumière qui clignote là. Yes. Oh putain. Mec, ça fait. Le torse, on l'a déjà vu. C'est un peu glauque, hein. Ouais. Alors, il y a un passage là. Oh. Il y a un tiroir. Un tiroir. Oh, mais c'est dégueulasse. J'avance dans le bordel. Attends, il y a un tiroir avec une photo dedans. J'ai pas vu ton tiroir, moi, je suis perdu là. À gauche. Quand tu rentres dans la pièce, à gauche. Ah ouais, merde, bien vu. Et là, oui, il faut rentrer dedans. Et là, on descend. C'est une salle comble de personnes. Ah, en fait, c'est une loge, en fait, ici. Enfin, ouais, il y a des trucs de loge. Très chelou quand même. Un truc qui s'ouvre. Oh putain. Il y a un projo. Ouais, j'y vais, je vois. Tu écartes les jambes au fond. Il y a un bouton. Allez, j'appuie sur la manivelle. Pareil. Mec, ça pue. Il y a une clé. Ouais, mais ça pue. Prends la clé, moi, rien à foutre. J'ai pris la clé. On écoute, ok. Mico. On ouvre la porte. J'aimerais bien faire une pause, moi, après. Il y a un trou, mais il y a un bonhomme dedans. An act of creation. Hello, guy. Always begins. Oh, on peut piquer un truc. Une boule. Ouais, je l'ai pris. J'ai pris une boule. Ça s'est ouvert à gauche. Ouais. Recording. Allez, on ouvre. J'avance. Ouais, il y a une sorte de... Je passe le drap. Ouais, je passe les draps, je cours, allez, je suis en fou. Et tout qui s'ouvre, là, c'est parti. Oh putain, il y a un pistolet, il y a un gun. The right one. On et peut pas qui, passer tout qui s'ouvre. Oh, plus le gun. T'es sur quoi, la fille ou le monsieur? Attends, je vais cliquer sur le monsieur à gauche. Je tire sur le mec aussi, pas putain de mon sens. Attends, je sais pas comment tirer. Une vie contre une vie, l'une doit être prise. Je sais pas comment tirer. Le plus à droite. Oh merde, faut prendre à droite, feuille. Bon, bah on tue la gonzesse. Ah bah ouais. Wow, c'est classe. On tue la gonzesse, ça va être classe. And the execution. Génial. Il est beau ce
C'est bon, on peut dépasser le truc. Ouais. J'avance. Pareil, pareil. Avant, c'est une porte là côté du cadavre, hein, de pseudo cadavre. Oui, oui, j'y vais. J'ouvre la porte. On est de nouveau dans des couloirs et les couleurs deviennent plus ou moins normales. Oula, c'est très bizarre ce qui se passe. Mec, il traverse le rayon. Ouais, je traverse le rayon, c'est chelou. J'avance. J'avance pareil. Pareil, on avance. Là, je me sens pas bien. Il y a une musique qui monte petit à petit. Ouais, c'est pour ça, on continue. Et là, il y a une porte noire là. Porte la porte, ouvre la porte, vite, ouvre la porte, rentre dedans. Oh mec. Il y a plein de lumière là. Ouais. Je passe les lumières. Il y a une porte. Métal. En métal, ouais. Je l'ouvre, je passe. Il y a une porte à droite, à gauche. Ah, elle est fermée. Elle est fermée. Elle est ouverte. Ah ouais, elle est bloquée. Ah! Ah! Putain de merde! On continue, on avance. Il y a une autre porte. Putain, mais ils vont me casser les couilles ou quoi? C'est fait exprès, faut monter la pression. Allez, il y a des. Du bordel là. Ouais, je. Il y a un tabouret. Et c'est tout. Ah! Mais quoi? Je suis perdu là. Avance. On se fait un checkpoint dès qu'on voit plus en noir et blanc. Ok, j'avance. Ouah, putain, ouais, il fait flipper celui-là. Je sais pas par où aller, moi. Je suis coincé. Non, faut faire des demi-tours. Je peux pas, il y a plus de porte. Et il faut continuer, il y a des passages, faut tu peux trouver. Ah, ça y est. Allez, j'avance. Moi, il y a des petites. Je suis dans un seul couloir. Là, je suis dans un grand couloir avec trois hublots, je t'attends ici. Dans un couloir avec trois hublots. Oh! Ouais, tu reconnaîtras, elle est grande la salle, elle est grande. Mec, je suis dans la merde. Je suis à un endroit, j'ai qu'un mannequin et un. Oui, deux mannequins, un qui tire en flingue et. Voilà, il y a un couloir qui s'est ouvert là. Ouais, on est d'accord que le couloir, il y a trois hublots. Non. Continue. Sur la gauche, tu verras trois hublots. Il y a une porte, non, je sais pas, c'est pas ça du tout. Mais plus tard, t'inquiète. T'as foncé comme un porc en fait. Ouais, ok, oui, je suis. Oui. Tu as trois hublots? Ouais, c'est bon. On avance. J'ouvre la porte. Ouah, c'est blanc sa mère là. Ouah, putain, ça nique les yeux! Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, on se tire! Papa! Les portes sont fermées! Putain. Ouais mais. Ah! T'as voulu ouvrir la porte? Non. Vas-y. Je vais le faire. Attends, il y a qu'une porte. Il y a deux portes. Ah oui, il y a une porte. Là. Ah! Bon, il y a deux portes maintenant. Tout droit. Ah putain, on descend encore plus quoi. Mes couilles. On sauvegarde, on arrête là ou quoi? Ok. Bon, je sais pas si ça a fonctionné. Je sais pas si ça a sauvegardé en fait, je comprends pas. C'est pas comme dans le 1 où il y a plusieurs parties. Bon, on continue un peu, allez. On continue un petit peu. Tant qu'on est en. À la prochaine fois qu'on voit la sauvegarde ou pire ou quoi. Et dès qu'on voit en couleur, il y a une petite enfant. Une petite enfant, mais tu regardes où, t'as où, tu traces comme descends, un... Descends. Tu traces comme un gros fou, en fait, et... Tu oui, mais je ramasse. T'attends, t'inquiète pas. Oh! Ouais, une gamine. Voilà, donc là, elle a essayé d'ouvrir, on peut pas, on descend, Ouais, je descends. Continue. Là, il y a des bagages. Il y a des bagages, il y a des bagages, couloir, je suis dans le couloir, il y a une porte. J'ouvre la porte. Il y a un coffre, un truc... Ah ouais? Je prends. Oui, il y a un petit papier. Ah oui. Voilà, on s'en fout. Il y a une porte en métal, je l'ouvre. Des fuites, il fait très noir. J'ai vu un fantôme.
Ouais, pareil. Ok, écoute, je continue un petit peu. À gauche, dans le couloir, avant, à gauche, il y a une lettre. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a une lettre, et puis il y a une porte. On fait quoi? Elle est fermée. Elle est fermée, bon, ça vient de... que j'essaye alors. Merde, j'ai pas gardé. On avance. Je passe le petit brouillard, là. Pareil. Il y a une porte en métal à la fin. Pareil. Je l'ouvre. Je passe. Il y a des bagages. Là, une clé. Ah non, c'est une lampe torche. Et bien sûr, on la prend pas. Bah non, ce serait trop bien. Chut. Quel ça. Quelqu'un qui vient. Hello? Anyone there? Bloody hell. Sorry. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Écoute, j'avance. Pareil, j'avance. Ah! Je sais pas où aller. Il y a des bestioles, mec. Il y a une grande porte à ouvrir, une très grande porte. Je l'ai ouverte. Une porte en acier. Ouais, un gros bazar là. Ok. C'est fait, je l'ai ouvert. Puis une porte en métal classique. Pareil. Je passe. Il y a des rats. Il y a des rats. Il y a le fantôme. Ouais. Les dégage! J'avance toujours. Je suis dessus comme un peu là. Je sais pas comment faire là. C'est bloqué par cette merde. Une manette derrière toi. Ah oui. Ça soulève le truc, j'avance. J'avance. Joie. J'ouvre la porte et j'avance. J'ouvre la porte. Oh, j'avance. Voilà, je continue, il y a un fantôme. Je... Ah. Ah putain, il est dégueulasse. T'es mort? J'ouvre la porte, je me casse, rien à foutre, sinon il va me tuer. Merde, je suis mort moi. Je suis mort. Ne pas être, ok. Bon, on revient au même endroit, c'est parfait. Ouais, il est chelou le truc, la zone, on dirait... Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire après? Attends, moi je vois rien. Hein. Bon, allez. Il faut reculer, il faut reculer. Ok, ouais, je passe, je trace. Faut tracer, mec! Putain! C'est pas drôle. Il y a des tonneaux, je trace comme un porc, mec! Ouais, ouais, moi aussi. Il y a une porte qui se coulisse, je l'ouvre. J'avance. Ouais. Je la referme. Tiens, connard, c'est fait ma clé, c'est bon. On est en sécurité, là. Voilà. Il y a un marteau, oh, on peut le prendre. This spot will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Évidemment. Un mec. You should be scared. Pas dur, mais ça m'a fait pisser dessus, presque. They'll send us back. Oh non. Hey, il est là. Mec, ça s'ouvre, il faut se barrer. Ouvre la porte. Comment faire? Il faut qu'on essaie. Je suis mort, comment faire? Je peux pas, je cours là. Putain, je me fais dessus mes couilles de merde. Au secours. C'est bon, j'y suis, je me tire rien. Putain, je me chie dessus, mec, j'en peux plus. Putain de merde. Il y a plein de portes comme ça, mais c'est chiant, merde, j'ai la pression là. Il y a des rideaux. J'ai réussi. Oh putain, la pression qui te fout ce truc. Ouf. Je ramasse une saloperie là. Une bobine là, c'est fait. Et quand t'as ramassé la bobine, tu ressors du petit truc et t'as une porte métallique blanche. Ok. C'est bon? On l'ouvre? On l'ouvre. On arrête. On rentre et on arrête. Attends. Ouais, on en va arrêter là. J'ai. Waouh. On va arrêter là. Ouah.
s'il vous plaît, quoi. Bon, eh bien, j'espère que ça a bien sauvegardé. Moi aussi. Sinon, ben voilà, écoute, normalement, oui, hein, ça me paraît très logique. C'était la première partie de ce petit moment de terreur dans l'Aerophere 2. Surtout, ben, abonnez-vous si vous voulez encore nous entendre crier. Donc ouais. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, ben, likez, partagez, tout ça, comme d'habitude, tout ça, hein. Voilà. Sur ce, à bientôt. À bientôt, mesdames et messieurs.